Yo tout le monde les gars, c'est Super Dimix, comment allez-vous les potes? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière parce qu'on est là aujourd'hui pour la première vidéo sur FUT 16 et sur FIFA 16 en général. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir de démarrer enfin sur de nouvelles bases. Et donc comme vous avez pu le comprendre, on va démarrer avec un pack opening sur FUT 16. Voilà, on est en direct tout simplement, le premier pack opening, il est sur la chaîne, tranquille les bails, tu vois ce que je veux dire. Bref, comme vous en avez l'habitude avec moi les gars, je vais vous fixer un objectif de like, voilà, pour cette première vidéo FIFA 16 et surtout FUT 16, je vais vous fixer un objectif de 200 likes. Ça vous de faire les trucs, 200 likes, tu vois ce que je veux dire? 200 likes, tac, c'est plié. Voilà, 200 likes les potes, je compte sur vous. Allez, c'est parti, premier pack les potes. Alors Griezmann, donc vous voyez, petite nouvelle animation, hein, on va la laisser parce que c'est le premier pack, tu vois ce que je veux dire. Voilà, là c'est Leicester, voilà, ça va être Dyer, c'est Dyer d'ailleurs, parce que... Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'était un peu compliqué, bref, oh oui, de nouveaux éléments, bon, c'est la première fois que j'ouvre un pack, c'est un peu compliqué. Allez, c'est parti, on va passer au deuxième pack, Alexandre Lacazette sur le pack, on va pas skipper. Hein, les nouvelles animations, on va pas skipper, c'est marrant de regarder un petit peu ce... Oh, MOC français. Ah, c'est Sissoko, c'était Sissoko. Quand j'ai vu Newcastle, bon, c'était un peu près sûr. Et puis sinon, bah, bien de la merde, hein, à part les contrats qui font quand même plaisir. On a quand même Sissoko, ça fait plaisir, on va pas s'en plaindre. Hop, on envoie ça au club. Donc on va partir encore sur un pack avec Lionel Messi. Hein. Je veux bien tomber sur Messi, hein. Ça c'est le truc que tu fais à chaque... À ton premier FIFA, tu penses que tu vas avoir Messi. Ah, défenseur à Naples. Ça sera Koulibaly pour notre meilleur joueur. C'est pas fameux. Hein. C'est pas fameux pour ce pack Koulibaly en meilleur joueur. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On a quand même des contrats. Le mec est content juste pour les contrats, tu sais. Allez, on est parti pour notre quatrième pack avec Antoine Griezmann dessus. En espérant que ça nous porte de la chance. On va voir, on va laisser l'animation. Hein, on va faire ça pour ce nouveau FIFA. Alors là, ça va être du Kolarov, je pense. Voilà, Kolarov. C'est plutôt... Oh, on a une carte ATBU qui est intéressante. Une carte ATBU qui est pas mal intéressante. Qui doit valoir pas mal de pognon, hein, on va pas se le cacher. Enfin, à moins que ça a changé. Listé sur le marché des transferts. Oui, ok. Donc, bref, comparer prix, s'il vous plaît. J'aimerais comparer les prix. Ah, non, ça va, ça coûte pas si cher que ça. Mais on va garder. C'est toujours intéressant d'avoir des cartes comme ça dans son club. On va garder pour faire de l'achat-revente, tout simplement. Sergio Kun sur notre pack. Hein. Je sais plus à quel pack on est. On va ouvrir, en tout cas, Sergio Kun. On va laisser la cinématique. J'aime bien regarder un petit peu. Ou un buteur espagnol, ça sera David Villa. Pour une MLS ou pour une espagnole, c'est sympathique. Après Bueno et Bitancourt, on s'en bat les couilles. Ah, un entraîneur de France Ligue 1. C'est plutôt bien. C'est pas fameux de ouf, mais bon, ça passe quand même. Allez, c'est parti. Messi sur le pack. Que va-t-on avoir avec Messi sur le pack? Peut-être avoir des bails, on sait pas ce qui va se passer. Tout peut se passer. Ok, alors si ton meilleur joueur c'est un joueur non rare, tu vois, ça c'est de la merde. C'est le pack de merde. En plus, MOCAT, c'est la carte... Voilà, t'en bats les couilles. En plus, charnière, bon. Oh, c'est un pack dégueulasse. Ça, c'est le pack dégueulasse du pack opening. On espère en avoir qu'un seul. Et on le laisse passer. Hein. Il est vite oublié. Hop, il est emballé, ce pack. Allez, c'est parti, Antoine Griezmann, sur la petite pochette. Tout à l'heure, je sais plus ce qu'il nous a apporté, Griezmann. Je crois qu'il nous avait apporté... Bref, on va pas se porter de jugement. On va regarder le pack. Ah ouais, non, mais si t'ouvres des packs, tu vois ce que je veux dire, et que tu tombes sur un joueur argent... Bon, par contre, il a pas l'air dégueulasse, mais franchement, voilà, quoi, c'est pas ce qu'on cherche, clairement, hein, carrément. Je pense que celui-là, on va le skipper, je sais pas pourquoi, je sens le skip qui va passer. On le skip. Ah ouais, c'est dégueulasse, c'est clairement dégueulasse, quoi. Ah, par contre, les maillots, on va les mettre en vente parce que ça doit pas y en avoir beaucoup et les supporters de club doivent se les arracher. Eh bah, pas du tout. Hein, théorie totalement fausse. Va te coucher, Dimix. Serge Koun, il peut porter chance. Je pense qu'il y a moyen que le Koun y fasse plaisir. Ah, enfin, on retrouve. Ah, du Wellcott 86. Oh, et puis du Slimani.
Ah ben voilà, voilà enfin un bon pack là avec 5 joueurs or, ça fait plaisir. Voilà, ça c'est du pack normal, tu vois. J'aime bien, j'apprécie. Allez, on est parti pour Griezmann, pour ce pack Griezmann. Que va-t-il nous offrir? Que va-t-il nous offrir? Attention, c'est la surprise. On skip. Lucas Leiva. Ah, encore une carte MD. Enfin là, c'est de l'autre côté MDAD. Bon, c'est intéressant aussi, mais c'est pas les joueurs. Hein. C'est surtout les joueurs hein, qui nous intéressent dans un pack opening. Et c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux pour l'instant les gars. On touche rien à part Welcott. C'est notre meilleure carte, hein. C'est notre meilleure carte. Ouh, lui on l'a toujours pas eu à là-bas. Peut-être qu'il va nous porter un peu plus de chance qu'on a depuis le début. Tu vois ce que je veux dire? On va pas skipper, hein, parce que je vois que skipper ça marche pas trop. J'aime bien regarder. Oh, des DLG ou Moreno je pense. Oui voilà, Moreno. Ils veulent vraiment qu'on fasse une petite BPL hein, pour ce début de FIFA et ils nous offrent un petit Alberto Moreno qui fait plaisir, hein, qui a de super stats. Hein. Franchement, pour un latéral gauche, il fait plaisir, il fait plaisir. Donc voilà, la casette sur le pack, qu'est-ce qu'on va avoir avec la casette? Qu'est-ce qui va se passer avec la casette? Attention. Ok, mais ça, ça de toute façon, c'est dégueulasse, c'est pas classe, c'est pas classe. C'est... Oh, ok, Yorwata, là... C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux qui a Ibar, je pense, ouais, c'est ça. Pas fameux, hein. C'était même dégueulasse, carrément. Messi, peut-être plus intéressant. Messi, peut-être plus intéressant. On va voir ce qu'on a dans ce pack. Allez, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Putain, Ilara Mendy, bon, c'est quand même un bon petit joueur, mais c'est quand même dégueulasse. Par contre, Ayou, c'est intéressant. Ayou c'est intéressant, Fer c'est intéressant, et voilà, bon après les autres joueurs c'est quand même intéressant. Là il nous reste deux packs les potes, un pack premium or et un pack or. On va ouvrir celui avec Agüero, parce que peut-être qu'Agüero va nous apporter quelque chose. On sait pas les gars, on sait pas ce qui peut arriver. Agüero peut faire la surprise. Agüero fera pas la surprise. Ah ouais là il nous a mis, oh Fred, et ben voilà. Je vous parlais de le retour de la ligue brésilienne, et ben voilà, on a l'exemple typique, Flamengo, Fred, bon, c'est pas le meilleur buteur, mais bon, ça fait un buteur argentin, ça fait un buteur brésilien, tout simplement, qui fait tout de même plaisir. Agüero, qui peut peut-être nous faire plaisir, hein, Agüero qui peut faire plaisir à la famille, et nous mettre très bien, attention, ok, il nous a mis en PLS, comme d'habitude. Et ben voilà, un pack de merde, hein, carrément aucune carte or rare. Mais bon, voilà, on peut remercier EA pour ce pack opening magnifique. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton like, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre l'ensemble de vidéos. Donc les potes, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. J'ai les deux pieds dans un quartier sensible, où les grossistes ont plus sensibles. Morbide pour des centimes, l'oseille monte en perte tes sentiments. On suit aucune règle à part celle du ciment.